Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobitty. Vous êtes bien sur la chaîne Les Jeux du Cygne et on se retrouve pour la suite de nos petits casse-têtes sur PRESERVE. On était dans le biome savane sur le mode puzzle et il nous restait 3 puzzles à faire. Allons voir ça tout de suite. Alors voici le... avant-dernier puzzle de la savane. Je dois avouer que, en fait, à la base, il y avait un autre épisode que vous ne verrez pas, parce qu'en fait, j'ai passé plus de 30 minutes à essayer de le résoudre sans succès. Donc, les 3 puzzles qui suivent, et qui seront dans cet épisode, je les ai tous faits avant. Je me suis noté la solution, j'ai un screenshot de la solution. On va essayer de le refaire ensemble avec ce que je me souviens, mais ce sont des puzzles qui sont très durs et qui demandent beaucoup de calculs en fait pour s'en sortir. Pourquoi? Parce que en premier temps on a une rivière qui va nous donner X points aux dalles contiguës, sachant que X est proportionnel à la longueur. Donc je vais vous montrer ça un petit peu. Pour moi la chose évidente au début c'était de faire ça. Quelque chose dans ce genre là. Je vais le poser et en fait voilà, on voit que en fonction de la taille qu'on a, on va gagner plus 1 point, plus 2 points et là c'est 5 il me semble. À 24. Donc déjà il faut savoir ça. Ensuite on a le lac. Donc le lac qui arrose les dalles contiguës et qui donne du coup 1, parce qu'on va avoir un lac de 1. Imaginons qu'on le met là, vous voyez, ça va nous donner 1. Ça pourrait nous donner plus si on avait 3 ou 6. Et l'autre subtilité, c'est cette chose-là. La maison sur pilotis, elle doit être placée sur un lac et elle donne plus 2 à toutes les dalles d'eau douce contiguës. Donc elle donne plus 2, en fait, c'est un peu compliqué. C'est en fait, elle donne pas à l'eau, en fait, elle donne aux dalles qui sont irriguées, en fait, les dalles qui sont vertes, quoi. Et il faut que ça soit un habitat. Donc pour moi, au début, ça, c'était la solution. Je me disais, bah, je mets ma montagne là. Ça tombe bien, ça fait 12. Et puis après, bah, je complète. J'en ai oublié un. Alors déjà, premier problème, j'aurais peut-être pu mettre quelque chose ici pour compléter. Deuxième problème, on n'est toujours pas au point, on va rajouter les animaux. Donc on a 3 différents dans chaque. Donc on va gagner en fait 90 points au final, puisqu'on va gagner 10 pour chaque animal, plus 60 de bonus. Et vous voyez, il me manque encore une vingtaine de points. Et du coup, on va recommencer et je vais toujours le faire en essayant de me souvenir. Donc en fait, l'idée était pas trop mal, c'est-à-dire que ici, on va quand même faire un habitat de marécage. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va mettre... d'abord la pierre. On va profiter en fait du fait qu'on peut irriguer après avoir posé la pierre, ça c'est pas un souci. Donc on a vu que ces 2 tuiles là ça allait être compliqué en fait à cause du dénivelé. Je vous montre le dénivelé, mais la rivière ne peut que descendre. Ce qui fait que si je la commence ici, je suis obligé de descendre et de finir plus ou moins dans ce cul-de-sac là. Et si je la commence ici, que ce soit ici ou là, soit je vais par là et puis je choisis un peu où je descends, soit je vais par là et puis bah, je suis obligé de descendre ici, sauf que du coup bah, j'aurai toute cette partie là qui sera pas irriguée. Donc en fait il va falloir utiliser le lac pour irriguer ici, Donc je pose ma montagne comme ça. Est-ce que je mets celui-là aussi? Oui, non, oui, peu importe. Je vais peut-être plutôt le mettre là. Ok. L'idée, c'est qu'on va mettre le lac au milieu. Ici. Comme ça, en fait, on aura deux habitats contigus. On aura l'habitat de montagne et l'habitat qu'on va mettre ensuite, qui sera un habitat de marécage. Et l'idée, c'est que là, notre montagne, elle nous permet de séparer en fait les deux marécages. Donc, je peux mettre du marécage là. Pour l'instant, c'est pas très grave. Je peux mettre ma maison sur pilotis. Normalement, l'ordre change rien. C'est-à-dire que si vous la posez après, vous avez quand même les bonus sur les tuiles que vous posez. Ou si vous la posez en tout dernier... tous les points arrivent d'un coup. Enfin, c'est pas... L'ordre dans lequel vous les posez est important, parce que du coup, ici, on pouvait poser que si c'était pas arrosé. Donc c'était important de poser la montagne en premier, mais pour la carte bonus qu'est la maison sur pilotis, on n'a pas de souci. Alors, il faut que je compte quand même... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus 3, 12. Donc normalement, si je me mets comme ça, on irrigue tout, c'est parfait. Surtout qu'en plus, du coup, ça nous donne un bonus d'irrigation, c'est-à-dire qu'on a un plus 1 ici parce que c'est arrosé. Voilà. Alors la feuille de score... Je la trouve utile, mais je la trouve aussi un petit peu imprécise. Je sais pas si c'est la traduction, j'ai pas été voir en anglais, mais en fait, c'est pour chaque dalle arrosée, vous allez avoir plus 1. À l'exception des montagnes, c'est juste ces tuiles-là, qui sont marron-beige, on va dire, qui, elles, ne peuvent pas être arrosées. Les montagnes en tant que biome... Que ce soit des montagnes ici de savane ou des montagnes de biome continental, elles peuvent être arrosées. Et du coup, on va gagner ce bonus de plus 1 sur ces tuiles-là. Et du coup, on va placer ça. Du coup, si j'ai bien compté, on est à 12 d'un côté et à 12 de l'autre. Et on peut placer nos trois animaux, du coup, qu'on l'icône de montagne. Donc, le petit lémurien, le petit fennec et le petit vautour. Et ici, tous nos animaux ont une icône de marécage. Donc, on en met trois différents dans chaque. Et là, du coup, on arrive pile poil au score. Je voulais zoomer, voilà. Voilà, du coup on va passer au suivant, qui est à peu près du même niveau de difficulté, on va pas se mentir. Alors le suivant, on introduit une carte de merveille, ça c'est une merveille. Elle a un placement complètement chelou. On voit sa forme, hein, c'est-à-dire qu'elle va prendre cette tuile de cette forme-là. Et une fois qu'on l'a posée, on ne peut pas l'enlever. Ce qui va un petit peu nous compliquer la tâche. Donc moi je vais la poser hein, pour faire un petit peu, pour montrer un petit peu la logique. Donc on voit qu'on a 16 de marécage. Et qu'on a 3 animaux, donc on se dit qu'on va probablement faire un marécage de 16. Et en fait, si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Là, j'arrive qu'à 15. Je pensais qu'on arriverait à 16. Oui, bah, on n'arrive pas tout à fait à 16. Mais en tout cas, du coup, si on arrive à 15, ça veut dire qu'il va falloir tout simplement entourer notre merveille pour pouvoir y arriver. Ce qui veut dire qu'en fait, vu qu'on voudra que notre écosystème il soit autour, qu'il faut qu'on fasse tout simplement le tour du biome avec notre eau. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va devoir jouer avec plusieurs choses, avec la longueur du fleuve. Ici, clairement, on peut s'amuser un petit peu à le grandir, mais surtout, on a le problème du dénivelé, qui fait que là, typiquement, je peux pas remonter. Donc, c'était peut-être pas une bonne idée, parce que je me retrouve avec un certain nombre de tuiles non arrosées. Imaginons que je place tout dans un seul biome. Ce qui fait pas un seul biome parce que c'est séparé en deux. Voilà. Ce qui fait que c'est complètement nul. On va retirer l'animal. On va retirer celle-ci par exemple. Voilà, on arrive à quasi 800 points de pas assez. C'est quand même assez énorme. Alors je vous avoue que j'ai quand même beaucoup tâtonné sur le placement de la merveille. Alors je vais prendre mon anti-sèche. Voilà, je vais regarder comment je l'avais placée. Alors déjà on peut la pivoter, clairement ça va nous être utile. Je l'avais mise comme ça. C'est ça, pour profiter en fait des zones qui sont déjà irriguées pour y arriver. Et du coup l'idée c'est de réussir à faire le tour au maximum avec notre eau. Alors c'est super tentant de commencer ici, mais en fait il faut vraiment réussir à faire le tour, et pour réussir à faire le tour, en fait c'est plus pratique de commencer là et de descendre. On commence ici, ici on a une étape, on peut descendre, ici on a une étape, on peut descendre, je vais vous le mettre vraiment en vue, voilà. Alors la petite astuce, quand je me mets vraiment en vue un petit peu de dessus, c'est que les niveaux de hauteur ont tous la même couleur. Quand il est très bas, il va vraiment être plus blanc, et quand il est très haut, mis à part les montagnes qui sont vraiment d'une couleur particulière, il va vraiment être plus marron. Ce qui permet en fait de savoir un peu quelle est la hauteur. Après forcément, dès que c'est un petit peu arrosé, irrigué, la couleur perd est perdue, donc en fait on va essayer de faire le tour en restant à 1 distance, c'est à dire qu'ici il faut que ce soit rosé, donc faut peut-être que je passe plutôt ici. On essaye de garder 1 distance entre tout ce petit monde, quelque chose comme ça. Là ça va être arrosé partout. Et normalement, on devrait pouvoir poser poser tout notre petit monde à l'intérieur. Et vous voyez, on a déjà 540 points. Rien qu'avec le biome. Alors que tout à l'heure, on était plutôt à ça avec tout. Et là, c'est parce qu'en fait, on a un fleuve qui nous donne plus 2 pour chaque tuile, donc plus 2 pour 16 tuiles, quoi. Donc ça fait quand même un bonus de 32. Mais surtout, c'était ça que je voulais, on va avoir 30 pour chaque tuile d'habitat correspondant adjacent à une merveille. C'est-à-dire que là, notre merveille, on le voyait tout à l'heure, on ne le voit plus, elle est de type marécage. Donc, chaque tuile d'habitat marécage qui est adjacente à la merveille gagne 30. Et du coup, si j'ai bien compté tout à l'heure, on a dit qu'il y en avait 15. Oui, c'est ça, celle-ci n'est pas adjacente. Donc il y en a 15. 15 x 30, ça fait quand même un beau bonus de quelque chose comme 450. 450, oui, un truc du genre. Et du coup, je pose le dernier animal et on est tout bon. Avec notre super merveille de marécage géant. On passe au dernier de la savane. Et je vous avoue que là aussi, il m'a bien cassé les cacahuètes. On arrive sur quelque chose en forme de triangle. Alors, est-ce que je vais réussir à l'avoir ? Un peu sympathiquement dans le champ. Ouais, je vais dézoomer un peu. Voilà, donc on a quelque chose en forme de triangle. On voit que les zones très hautes sont sur les côtés. On a 3 fleuves. On a un marais, un lac, excusez-moi. Et une maison sur pilotis à poser sur notre lac. Et là, c'est pareil, l'intuition que j'ai eue au début, c'est de me dire, je pose mes lacs, peut-être pas comme ça, comme ça. Je suis pas sûre d'être allée jusqu'au bout, tout début. Donc je descends de tout ce que je peux. Et ici, je descends de tout ce que je peux jusque-là. Ce qui n'est pas une si mauvaise idée dans le sens où, comme ça, tout est irrigué. Alors déjà, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il faudrait que je garde un peu de place pour notre copain, le fleuve. Donc en fait, le fleuve, le lac, on pourrait se dire, par exemple, je le mets là. Et du coup, j'ai besoin d'irriguer que jusque-là. On a 3 biomes différents, donc 3 habitats différents. Hop, je me retrouve avec un tout petit truc ici. Je peux compléter par là. Alors déjà, je vois que j'ai quand même 4 tuiles qui sont pas occupées, alors que j'ai 9 plus 6 plus 8, ça nous fait 15 plus 8, ça nous fait 17 de fleuves. Donc ça voudrait dire qu'il nous faudrait un fleuve d'au moins 4 de plus. Et quand je rajoute la maison sur pilotis, je suis encore super méga loin du score. Donc on recommence et je vous explique un peu l'astuce. Alors l'astuce, c'est qu'en fait on va fusionner les fleuves. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un fleuve, voire 2, de se dire, parce qu'une des solutions aussi pour se dire, c'est, je fais l'inverse, genre je les mets sur le côté, et les tuiles qui vont être entre les deux, les tuiles qui sont entre les deux vont gagner des bonus des deux. Donc c'est-à-dire que ici, elles vont gagner plus 3. Vous voyez, ça me fait des tuiles qui donnent 5. Quand elles sont vraiment entre les deux. Mais pour ça, il faut encore qu'elles soient entre les deux. Et on a toujours ici du coup nos 4 tuiles qu'on peut rien faire. Je n'ai pas pu arroser jusqu'ici. Je rajoute ma maison. Ça me donne un petit bonus quand même sur chaque mont, sur chacun. Par contre, ici clairement, et ben en fait, j'ai. Je vais en rajouter là, mais on voit le principe. J'ai clairement pas utilisé toutes mes tuiles, donc c'est pas une bonne solution non plus. C'est une bonne idée de se dire je les coince entre deux fleuves, sachant qu'en plus il y a une voire deux tuiles. Donc tous ceux qui sont à 1 gagnent les bonus des deux. C'est vraiment intéressant. Sauf que ben, ça ne marche pas pour atteindre les 383. Faut bien se rendre compte que 383 c'est le bonus sans les animaux, quoi. On n'a pas d'animaux ici. Donc c'est vraiment que du placement de tuiles, d'habitat, qui va nous faire ce score-là. Alors du coup, je commence par ce petit fleuve-là. Je le fais aller jusque-là, je crois. Alors c'est un peu chiant, je trouve. Le jeu est en early access, je le rappelle. Donc il y a encore des petits bugs. Je trouve que c'est parfois un peu chiant justement quand lui... Moi j'aime bien jouer avec tout d'affiché et ça saute de temps en temps. Ce qui n'est pas toujours très agréable, mais voilà. Donc ici, pareil, j'essaye de positionner pour arroser tout. Et du coup l'astuce c'est que je vais jusqu'ici pour fusionner. Donc, du coup, j'ai fusionné, ça a disparu de nouveau. Je suis passé d'un fleuve de 13 à un fleuve de 21. Du coup, en l'occurrence, je suis pas passé à 24, donc j'ai pas de bonus supplémentaire. Et j'étais déjà au-dessus de 12. Donc j'ai plus 2, mais il m'en reste un. Il m'en reste un, donc je vais pouvoir faire des choses. Et faire des choses, notamment avec ces 4 tuiles-là, qui... bah, ne servent entre guillemets à rien. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut pas valider un fleuve trop petit. Il me semble que c'est 3 le minimum. Hop. Alors, je me cale comme ça. Et du coup, mon fleuve fait 28. Ça veut dire que chaque tuile d'habitat va avoir 5 de bonus. Rien qu'avec le fleuve. Il me reste le lac à poser. Le lac, ce qu'il faut pas oublier, c'est que on gagne des bonus pour les habitats contigus et on n'a aucun intérêt à le coller au fleuve. J'ai envie de dire bien au contraire, on a tout intérêt à avoir de l'habitat qui bénéficie à la fois du fleuve et à la fois du lac. Donc le poser ici, c'est plus intéressant. C'est absolument contre-intuitif, en tout cas pour moi, mais c'est plus intéressant. Du coup, on pose nos habitats. Faut pas que je fasse de bêtises. C'est-à-dire que il faut pas... que je pense que je me suis plantée. Je pense que je vais pas avoir assez. Oui, il faut pas que... vu qu'il faut 3 tuiles pour faire un habitat, il faut qu'on ait au moins 3 tuiles de chaque. Et j'ai l'impression qu'il va m'en manquer une. Tout à fait, il m'en manque. Mais on voit que je suis quand même super proche du score. Donc on va recommencer et on va grappiller une tuile. Donc, je reprends. Je me remets à peu près en position. On refait notre petit fleuve jusque là. Et là où je vais grappiller, c'est ici. J'avais commencé là. Je vais commencer un peu plus loin, ça change rien en termes d'irrigation. Hop, et là, pareil, on rejoint. On remet le lac, on remet la maison sur pilotis, et on est reparti. Donc, ici j'ai un 3, donc 3 c'est bien, ça fait un habitat. Ici j'ai un 6, pareil, 6 c'est bien, ça fait un habitat. Ce qui me reste du coup 3 pour faire un autre habitat. J'aurais aussi pu faire des habitats de 9 en l'occurrence. C'est pas la grandeur de l'habitat qui nous intéresse. C'est vraiment le fait qu'ici, vous voyez, quand je pose la tuile, ici, du coup, c'est pas encore un biome, c'est pas encore un habitat. Donc j'ai 1, je pose ici, et chaque tuile me donne 9. Et voilà. Donc, j'ai même réussi à faire un petit peu mieux que ce qui est demandé. J'ai 3 points de plus, ce qui est super cool. Mais en tout cas, voilà pour ce puzzle, pour cette série de 3 puzzles. Et vous voyez, on n'a pas de prochain puzzle pour la savane. Donc les prochains puzzles, ce sera le monde marin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. Merci, bye bye.